force. Voilà, pour voir à quel moment la personne bascule. Allez-y. Le deuxième test, vous mettez les mains croisées comme ça dans le dos. Toujours la même personne qui est testée. Et l'autre avec son poing va venir toujours les pieds joints. Et l'autre personne va venir appuyer comme ça avec son poing dans les mains de l'autre. On va hop, les pieds qu'on bascule. Appuyez comment? Bien sûr. Appuyez comment? Quand j'ai fait un stage. Il est très bien rentré. Quand vous avez fait ça, vous inversez, c'est-à-dire que vous changez les rôles. Celui qui était testé va tester l'autre. Toujours les pieds joints, hein. Je vois monsieur, il a les pieds écartés. C'est pas une épreuve de force, hein. Ah mais c'est bon, hein. C'est faut pas faire pas 2 heures. Il a entré, il a entré. On doit tomber, oui. On a pris, comme ça. Non, mais on va tous faire le mouvement et on se retestera tous après pour voir ce qui a changé en nous, d'accord? C'est bon, madame, et on reprend nos distances pour pouvoir faire des mouvements sans se mettre des gifles. Et voilà le soleil. Ah, mais je suis dans la pente. Okay, donc, là, on va écarter les jambes à peu près de la largeur du bassin. On met un petit peu plus, c'est pas grave. On va se poser sur 3 respirations pour bien se poser à ce vers le ciel en demandant tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, du soleil, des nuages qui s'en vont, le vent qui se calme, un temps parfait pour cet après-midi. Voilà, on reste quelques secondes, on redescend, on va se poser sur le deuxième chakra, au-dessus du sexe, le chakra orange, on va faire le même mouvement. Thank you.
portant les mains vers l'avant, les mains vers l'avant, on écarte les bras, on a fait un petit peu.